Ils ont l'air de plutôt bien s'amuser. Hein. Bon, l'ambiance est toujours comme ça ici, hein, sur le chantier. C'est vraiment une chouette équipe. C'est par l'autre côté que c'est tout fermé. À ton avis, où est-ce que c'est tout fermé? De l'autre côté. Et ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est en train de fermer. C'est en train de tout fermer. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Tu trouves ça comment? Bien. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Hello les compagnons, je voulais vous faire un petit tour, je sais pas quand est-ce que je publierai ça, mais en tout cas c'est maintenant qu'il faut que je le filme, parce qu'il n'y aura pas d'autre occasion, pour vous montrer en fait le toit, comment c'est fait de la maison, comment ils font ça. Alors, je sais pas où ils en sont de ce côté, parce que l'autre côté là c'est quasiment terminé. Hop. Ah ben voilà, on voit bien, en fait ils mettent des, je sais plus comment ça s'appelle en espagnol, mais là les traverses qu'on voit là, qui sont préfabriquées en béton, et après ils viennent mettre des blocs qui sont comme ça, qui viennent s'intercaler dedans. Donc là on voit bien comment c'est, et voilà, ils soutiennent avec des étançons en bois qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et en fait samedi ils vont, enfin normalement c'était demain, mais finalement ça va être plus dimanche, ils viennent travailler dimanche, parce qu'en fait il faut qu'ils le fassent tout de suite après, parce que ça, les bois, les étanchons en bois, ça peut s'effondrer si ça dure trop longtemps comme ça. Donc ils vont venir le faire dimanche et ils vont couler du béton sur tout le dessus pour l'étanchéité en fait. Et voilà, ils vont remettre un grillage au-dessus, donc une armature, plus les tuyaux d'évacuation pour évacuer l'eau du toit. Et voilà, donc on va suivre tout ça de près, parce que c'est intéressant. Ces toitures, c'est comme ça que ça se fait ici et dans beaucoup de pays d'ailleurs. Hein. C'est comme ça que ça se fait les toitures, peut-être pas avec exactement les mêmes matériaux, mais en tout cas c'est comme ça. Donc ici on est dans la salle de bain et la buanderie à côté. Il va y avoir un mur de séparation avec une porte. Et voilà. Donc en fait ici, là après on sera dans le salon, hein, et la cuisine qui va être ici. Là ça va être une pièce de jeu pour les enfants. Mais en tout cas, dans un premier temps, voilà, ça c'est la partie qui va faire 3 mètres, enfin qui fait 3 mètres de hauteur. Et l'autre partie dans laquelle je me trouve ici, elle va faire 4,50 m, donc un peu plus haut que la caravane, toute cette partie-là. Et donc toute la première partie, là, elle va bientôt être terminée, en tout cas fermée. On va pouvoir commander les fenêtres. Et donc là-bas, dans l'autre pièce, ça va être notre chambre. Et ici, ça va être salle de bain, buanderie, qu'on va bientôt commencer à faire et utiliser. Et là, le renfoncement qu'on voit, ça va être notre bibliothèque en fait. Voilà, là ça va être les fenêtres en face, 1, 2, 3 grandes fenêtres. Là c'est tout grande baie vitrée, et au-dessus, c'est pareil, ça va être baie vitrée aussi. Ça va être grande baie vitrée, et là ici ils n'ont pas encore fait les murs ici, mais là la porte d'entrée elle va être là. Mais je vous referai faire un petit home tour bientôt, on fera une vidéo exprès là-dessus pour un peu mieux tout vous expliquer. Mais voilà, je voulais filmer le toit parce que la prochaine occasion c'est quand ils feront l'autre partie, et on n'y est pas encore. Ça me semblait intéressant de vous montrer ça, et là je vais aller voir un petit peu ce qui se fait là-bas, parce qu'il y a l'emplacement de, en théorie c'est pas encore fait, mais en tout cas s'ils viennent c'est là qu'ils se mettront, de Mourad et Laetitia, que vous aviez vu, qui sont venus ici en mode découverte. Et voilà, on espère qu'ils vont venir, eux aussi ils espèrent. Après on verra si le destin fait que ça va se faire ou non. En tout cas, nous, on commence déjà à déblayer les emplacements, et
dont celui en tout cas qui dans un premier temps qui pense qu'ils aimeraient bien. Et donc voilà, c'est ici, donc on est sur le chemin. Et là ici à droite, en fait, c'est le champ de Sakaté qui nourrit les animaux, sauf qu'il est beaucoup trop grand pour par rapport au nombre d'animaux qu'on a, et on peut même encore en avoir plus. On va garder toute la partie droite. Donc là, pour info, notre maison elle est là, hein. Ce qu'on est en train de faire construire, c'est là, avec la caravane. Et ici, ça va, on va bien tout remettre correctement, ça va repousser tout le champ. Ici, ça va être, du coup, au milieu, ça va être une route, enfin un chemin, pour accéder en voiture. Et ici, en fait, il va y avoir un emplacement qui va être ici, et un autre emplacement qui va être là-bas dans le fond. Ils vont pouvoir aussi rentrer un peu dans la jungle. Et du coup, je vais voir un petit peu où ça en est. Ça avance pas mal. Là, c'est la ligne électrique qui va jusque chez Marie-Charlotte, là-bas derrière. Parce qu'elle, son terrain, il est derrière tout ça. Et ça va jusque là-bas. Ouais, donc ça avance plutôt bien. Hein. C'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu pour les news, et pareil, on vous fera une vidéo aussi qui va détailler un peu plus les emplacements et tout ça, et comment on envisage la construction du terrain au niveau des emplacements et tout, mais ça viendra dans une prochaine vidéo. Bon, allez, on continue. Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est lundi matin. Hello les compagnons, aujourd'hui est une grande journée parce qu'on est en train de faire le toit de la maison. Ça va être la grosse chose à faire de la journée. Donc comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, donc il y a pas mal de monde qui bosse aujourd'hui. Tout doit être fait en une journée, il faut pas qu'il fasse trop chaud pour pas que le toit, le ciment ne sèche trop vite. Et je vais mettre la main à la pâte aussi, je vais bosser avec eux. Donc tout se fait à la main, tout le ciment se fait à la main. Ils veulent pas de je sais plus comment ça s'appelle, de... Ah, j'ai plus le mot. De bétonnière. Et nous, on jardine et on fait du... Avec les mimi, là, on est en train de prolonger le chemin. Et tout se fait à la main, je vous montre ça. Toi est en train de terminer de se préparer. Ça va Titi? Oui. Tu fais quoi? Je prends du tas. C'est quand tu mets la main dans le cambouis et que tu vois ce que c'est, et là tu peux les comprendre.
Et franchement là, ça tue. Hein. Je vais être content d'aller faire la pause pour aller leur chercher la nourriture. Parce que quand c'est un jour comme ça, c'est un jour spécial en fait quand ils font un toit, quand c'est la fin d'une partie, ben du coup il y a une petite fête qui se fait, donc on va aller chercher la chichera comme ils disent. Et de la bière pour la fin de la journée pour les récompenser. Je ne bois pas de bière mais bon ça leur fait plaisir, donc ça va me faire plaisir. Et voilà, mais je vais être content de faire la pause pour aller chercher à manger, je vous le dis. Bon, on va acheter la chichera. Ah non. C'est la dernière ? Dernière tournée de béton. Entonces, buen provecho. Gracias por el techo. De la pause des ouvriers pour venir montrer un petit peu l'avancement de la maison de Marie-Charlotte, et en même temps je vais lui envoyer cette petite vidéo. Donc là cette semaine ils ont bien avancé sur tout ce mur là, déjà là-bas dans le fond. Donc ça c'est la nouvelle équipe, parce que la première ça n'a pas bien fonctionné. Et d'ailleurs parmi les choses qui n'ont pas bien fonctionné ici, toute cette ligne ici de mur doit être retirée. D'ailleurs ils en ont déjà retiré une partie parce que ça tenait pas bien et il manque 10 cm. Du coup, ici, il va falloir décaler tout de 10 cm. Et bon, finalement, c'est pas grave. On l'a vu à temps. Mais là, ouais, ça avance bien du coup. Voilà, tout ce mur-là, cette semaine a été fait. L'autre là-bas dans le fond, ça, franchement, ça avance plutôt très bien, quoi. Ouais, en plus de ça, en plus de manquer 10 cm, les murs ils tenaient pas. Enfin, c'est pas les murs, c'est les fondations en fait. Et ils étaient mal. Ils avaient été mal accrochés dans le fond en fait. Ils n'avaient pas assez nettoyé en bas, au niveau de la roche. Ils n'avaient pas assez mouillé, pas assez. De ce que j'en ai compris, ils n'avaient pas assez mis de ciment dans le bas. Et du coup, un mur comme celui qu'on voit là, je l'ai poussé à la main, il est tombé quoi. Et voilà. Voilà. Regarde Louison, il en a une bonne. Regardez, il va vous la donner. Louison, tu la donnes à Eleanor et Timothy, s'il te plaît, chérie. Super. Super.
On a mis une petite goutte dans l'œil. Ouais. C'est picot, il dit quoi? Il va t'enlever le fil, il va vérifier que tout va bien. Le fil qui va de ton nez à ton œil. Ok? C'est bravo? Bravo! Bravo, mon cœur. Bravo! Eso. Mira acá, mira acá. Ahí, eso. Naricita, voy a hacer naricita. La cicatriz de la ceja. Sí. ¿Para qué se fue? Salut les compagnons, on est à Mérida parce qu'il fallait aller enlever le tuyau de Louison qu'il avait dans l'œil et ça y est, c'est fait. Je sais pas si Audrey a déjà filmé, mais en tout cas je le fais. Là du coup on en profite, on est au centre commercial et voilà, on est vraiment content que, enfin je suis vraiment bien content parce que j'ai pas revu Audrey encore, que ça se soit bien passé. Et c'est cool pour lui, et tout va bien. Donc voilà. Ça va, Nanor? Oui. Oui. Oui, ça va. Aujourd'hui, on a passé une super journée. En fait, avec Vicky, on a fait du gâteau, on a joué. Et quand vous venez, vous apportez plein d'habits en bazar. Acheter plein d'habits pour vous. Ils ont joué avec ma ceinture maintenant. Et on est assortis en plus ensemble. Ici, on est assortis là. C'est vos nouveaux pyjamas? Titi, tu montres ton nouveau pyjama? Oui, attendez. Moi, c'est comme la voiture. Et moi, j'ai des fleurs. C'est comme j'ai fait. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez tout compris, les compagnons. Regardez, des voitures T'as fini de causer? C'est fini? Arrête, un petit pouce? Bon, un petit pouce si vous trouvez qu'ils sont beaux les nouveaux pyjamas? Oui, ils sont délicieux. Ils sont délicieux. Ils sont délicieux à manger. Délicieux à manger, d'accord. Zonzon, ça a été la journée? Ça va mieux ton œil, mon loulou? Bah oui, t'as plus rien dans l'œil. T'as plus rien. Il y a un tube qui sert de reconstruction qui restera à vie. Super. Ah oui? Il y a toujours le tube? Bah oui, il l'a coupé. D'ailleurs, je faisais pas la maline quand il lui a coupé dans l'œil. Mais ça y est, c'est enlevé. Mais en fait, le tube reste en fait. Donc, ah d'accord, je n'étais même pas au courant. De ce que j'en ai compris en tout cas. Ok, bon. Okay. Bon, mais il va bien. Il faut qu'on aille acheter de la crème pour les cicatrices. Qui nous en a donné deux à acheter. Il faut qu'on aille dans une pharmacie pour les trouver maintenant. Ok. Papa. Oui, Yaya. Il veut passer. Tu le gênes, chérie. Ah, je le gêne. Ben oui, oui, bah oui, papa. Qu'il est bête, papa. Tu comprends rien, mon papa. Bah alors, Titi, t'as un nouveau t-shirt? Oui. Il est cool, hein? Tu sais ce qu'il est marqué dessus? Non, maman, elle me l'avait dit, mais maintenant je me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Le marché du village vert. Le marché du village vert. C'est cool. C'est cool. Et toi, Nanor, t'as aussi un nouveau t-shirt? Oui, ce sont des oiseaux qui ont vu une fleur. Waouh. Tu les aimes? Oui. Super. Ils sont tout doux comme ça, ils restent comme ça, ils font ça. Là, il y a comme ça et là, il a fleuri comme ça. Coucou ma reine. Alors, on raconte à ma reine comment ça s'est passé pour ton œil hier. Ça
Ça s'est très bien passé. Du coup, j'y suis allée toute seule avec lui. Pendant ce temps, Seb est allé voir le gars, enfin, une entreprise pour les fenêtres, du coup, de la maison. Parce que finalement, il manque plus que ça pour fermer la partie de la chambre, de la salle de bain et de la buanderie. Donc, ça s'est bien passé. Au début, j'ai un peu flippé parce que, en fait, il a dû lui couper le tube, en fait, qui était dans l'œil, mais qui était vraiment, du coup, à l'entrée de l'œil, quoi. Donc, il a mis le ciseau quasiment dans l'œil. Heureusement, il a été adorable. Ah, mon amour, ça nous a évité bien des ennuis. Mais donc, ça, c'est bon, c'est cool, c'est fait. Ensuite, après, du coup, il lui a tiré le fil par le nez. Il a été super parce qu'en fait, du coup, au début, il était un peu effrayé. Mais il lui a montré sur moi comment c'était, comment on faisait et tout. Et en fait, du coup, il s'est bien laissé faire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Il veut jouer à Las Vegas. Tu veux jouer à Las Vegas? Il s'est bien laissé faire, donc ça va, ça a été rapide. S'est bien passé. Il a regardé au niveau de l'œil. J'ai demandé de vérifier s'il n'était pas trop en arrière parce que c'est ce qu'il nous avait dit au début. Qu'en fait, l'œil était quand même pas mal en arrière et que du coup, il allait devoir peut-être faire une autre opération et du coup, mettre l'œil sur une plaque. Là, il a regardé, il m'a dit non, ça va, c'est assez bien. Donc voilà, moi, je vais pas prendre le risque de faire une opération juste pour le fun, juste pour le remonter de quelques millimètres, c'est un peu ridicule. Donc voilà, normalement, plus besoin de retourner voir le chirurgien, espérons-le. Et puis voilà, et puis là, du coup, il a mal dormi, il a une mauvaise humeur. Hein, Mimi? Et puis, oh, tu t'es dessiné dessus. Oh, tu t'es dessiné dessus. Donc voilà, tout va bien. Et chez toi alors, gros bisous. Tu dis bisous ma reine.